J'aimerais qu'il y ait des objets plus chers. Ouais, maintenant je vais beaucoup mieux jouer. Mon fils, maintenant que tu as un clavier décent, on va se débarrasser de ton vieux matériel. Rentrons à la maison. D'accord, maman. Ils sont partis? Voyons ce que ces gens riches ont laissé d'intéressant. Oh, quelle trouvaille! Un vrai clavier! Il manque quelques touches, mais j'en ai de rechange. Monsieur et Madame Gamers organisent un tournoi international de jeux vidéo. Cet endroit est impressionnant. Et si je gagnais? Aïe! Qu'est-ce qu'ils font là, ces losers? Oh non, les touches, où allez-vous? Je dois les ramasser. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un autre clavier. Pathétique. Les pauvres n'ont rien à faire ici. Oui, tu as raison. Où se déroule le tournoi? Allez dans le hall et tournez à droite. Allons-y, les gars. Oh, il faut que je remette les touches. Ouah, tu es Mister Gamer, un des organisateurs? Ouais, exact. C'est bien moi. Et tu dois être l'un des participants. Oui, j'espère que je vais gagner. Avec un clavier comme ça, c'est impossible de jouer avec ça. Demande à tes parents d'en acheter un autre. Je l'ai réparé moi-même, j'en ai pas d'autre. Et je n'ai personne à qui demander. Ce garçon est bizarre. Il faut que je le surveille. Bienvenue à tous au tournoi. Vous avez une chance unique de gagner cet ordinateur ultra puissant. Il n'existe qu'un seul exemplaire. Tous les joueurs en rêvent. On va commencer. Comment il fait? Je pensais que c'était un débutant. Pourquoi il est si fort? Je dois tout faire pour gagner l'ordinateur. Non, je ne peux pas me faire éliminer dès le début du tournoi. Tu as eu de la chance. Tu ne devrais pas traiter ton clavier comme ça. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé le mien. Sans lui, je n'aurais pas pu y arriver. On dirait que notre héros a une chance de gagner le tournoi. Tu ne peux rien faire contre moi. Je suis un pro à ce jeu. N'importe quoi, c'est truqué. Waouh, doucement. Pourquoi il s'en prend au casque? Hé, je suis sûre que ça va être un combat intéressant. Oui, sûrement. Il manque une touche à son clavier. J'ai un moyen facile de le battre. Je ne perdrai pas contre ce noob. Ce gars veut vraiment gagner. Oh non, il y a un problème. Il manque la touche pour le combo que je veux faire. Je ne peux rien faire contre ses attaques. Comment je vais faire? Rien à faire. Ouais, je suis un vrai gagnant. Merci pour la partie. J'aurais essayé. Le gagnant du tournoi est Dan. Hé, mon ami, attends. Tu as l'air déçu. Mais tu as bien joué. Tu veux du chocolat? Je t'invite. C'est une offre intéressante, pourquoi pas? Ok, tu vas aimer. Voici notre humble demeure. Entre, fais comme chez toi. Faites connaissance pendant que je prépare le chocolat. Personne ne le prépare mieux que ma femme. Monsieur Gamer, je voulais te demander, tu as des enfants? Je n'aime pas parler du passé, mais ok, je vais te raconter notre histoire. Il y a quelques années, Vanessa et moi ont joué à Mortal Kombat, comme d'habitude. Je me sens pas bien. C'est peut-être à cause de ce qu'on a mangé? Non, je serais malade aussi. Chérie, ça va? Je me sens déjà mieux. Vanessa? Mais qu'est-ce qui se passe? On a alors décidé de passer une échographie pour connaître la cause de l'état de Vanessa. Quel ventre bizarre! Waouh! Un écran d'ordinateur? Félicitations, vous allez avoir un écran. Ou plutôt un bébé. Oh chérie, on va être parents. C'est merveilleux. Notre bébé vivra dans l'amour, l'harmonie et les jeux. Je suis émue. Regarde bien, fiston. On va t'apprendre les coups et les combos les plus efficaces. Et puis vint le jour le plus excitant de notre vie.
Docteur, docteur, enfin! Félicitations, vous êtes papa de gamer. Je suis trop heureux. Ma petite fille, où est mon bébé? Je suis vraiment désolée. Mais malheureusement, le destin n'a pas été tendre avec nous et une triste nouvelle nous attendait, Vanessa et moi. Oh Mike, ne pleure pas. J'ai toujours rêvé d'avoir des parents comme vous. Oh, Alan, on l'adopte? Bonne idée. J'adore cette photo. Je me souviendrai de ce jour pour le reste de ma vie, le jour où tu es devenu notre fils. Au fait, j'ai trouvé un filtre sympa. De quoi tu parles? Oh, Huggy Wuggy et Kissy Missy. J'ai déjà joué à ce jeu. Fiston, je veux te montrer quelque chose. Viens avec moi. Ok, j'arrive. Que fait une famille de gamers pendant son temps libre? Elle joue, bien sûr. Je n'ai jamais eu ma propre manette. Et en plus, elle est en or. Merci pour ce cadeau trop cool. Ce n'est que le début. Notre héros a trouvé une famille riche. Et maintenant, il peut acheter tout ce qu'il veut. Wow, j'ai de l'avance. Les jeux de course, c'est mon truc. C'est trop tôt pour lui acheter une vraie voiture. Et si on jouait à des jeux d'horreur? D'où vient ce bruit? Je crois que ça vient de la droite. Papa, j'ai peur. Moi aussi. Et voici ta chambre. On l'a décorée, mais tu peux changer. Quel ordinateur puissant! Mike, il est tard. Tu dois aller te coucher. Et demain, tu pourras commencer à t'entraîner pour la prochaine compétition. J'ai donc une nouvelle chance de devenir un joueur célèbre. Je vais m'entraîner dur. Bon état d'esprit. Je gagnerai cette fois. Maman et papa seront fiers de moi. Quelle matinée calme et harmonieuse. Mais pour combien de temps? Debout! Hein? Quoi? Où? Oh, maman, c'est toi? C'est le matin, il est temps de se lever. La condition physique d'un joueur professionnel est importante. Au secours! Ça va te motiver. Ok, c'est bon, lâche-moi. Comme tu veux. Aïe! Oh. Je serai ton coach. On va commencer par un échauffement. Ok. N'oublie pas que tu es un joueur. Notre famille s'entraîne différemment des autres. En dansant. Fais comme moi. Mais ne rate pas les flèches ou les symboles. Je crois que maman s'emballe trop. Je vais faire un repli tactique. Il y a quelqu'un aux toilettes? Papa, combien de temps il va rester là-dedans? Je vais éclater, sors! Pauvre Mike, pas de désespoir. Il grimpe le mur, littéralement. Ça fait plus d'une heure. Je n'en peux plus. Enfin! J'ai presque passé le niveau. C'est si confortable de jouer dans les toilettes. Ah, je crois que je commence à comprendre papa. Je pourrais même streamer ici. Mais pourquoi ça m'étonne? J'ai vraiment attendu ce moment. Ouh. Tu peux faire mieux. C'est quoi ça? Les gars, n'oubliez pas de vous laver les mains après les toilettes. La tablette dans les toilettes me provoque. Ah, je dois faire une pause. Voici ton petit déjeuner, chérie. Il faut lâcher les jeux de temps en temps. C'est ce qu'on fait. Oups, j'ai gâché le petit déjeuner. Ce n'est pas la première fois. Papa, tu es incroyable. Les œufs ont perdu le combat. Je me suis entraînée dur. Il est impressionnant. Quelle puissance! Mike est confiant. Même si Alan était autrefois le roi de ce jeu. Je suis en train de jouer contre une future légende. Chérie, tu perds vraiment? Oui, aide-moi. C'est pas très honnête. Ça ne l'arrête même pas. On peut dire que l'élève a dépassé ses 2 mètres en même temps. Notre fils est prêt pour la compétition. Victoire, j'ai battu mes parents, c'est pas mal. Bon, le tournoi est demain. Il faut que je prépare mes affaires. Mon vieux clavier? C'est avec lui que j'ai commencé ma carrière. Lequel je vais prendre? Salut, tu retentes ta chance? Je n'abandonne pas facilement. Tu as un meilleur clavier cette fois. Cool. Qu'il fasse toutes les blagues qu'il veut, ça me dérange pas. Il aime perdre. Mais comment il a pu progresser autant? Oh, tu as mal? Il sourit. Je ne laisserai pas le titre de meilleur joueur.
pas question. Mike a toutes ses chances cette fois-ci. Ah, c'est fini? Merci pour la partie. Bravo. Mon fils n'a pas oublié les bonnes manières. Je suis fière de lui. C'est le dernier tour. Yeah, ça y est. Félicitations. C'était un combat passionnant. Le gagnant du tournoi est Mike et il reçoit un ordinateur unique. J'ai une faveur à te demander. Donc le gagnant a décidé de donner le prix à sa rivale. À moi? Vraiment? Merci beaucoup, je n'aurais jamais imaginé ça. Mes amis, à votre avis, pourquoi j'ai décidé de donner la récompense à mon adversaire? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. À bientôt!